que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait un de vrai haul Shein avec des petits vêtements assez sympathiques pour l'hiver. Avant ça, j'ai un code promo pour vous, il s'affichera juste là, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'informations et le code promo aussi en barre d'infos. Donc allez, c'est parti pour le haul. Alors tout d'abord, j'ai choisi ce petit pull là que j'ai déjà en vert qui est vraiment extraordinaire. Il est d'une très bonne qualité, il est très 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 épais. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le mettre avec un petit legging en simili cuir, etc. C'est vraiment revenu à la mode, ce genre de choses. Là, je l'ai mis avec un legging beige. Ce legging là, il est vraiment hyper confortable, il est tout moutmout à l'intérieur. C'est vraiment hyper agréable à porter et puis ça fait, je trouve, un joli ensemble avec le pull. Donc vraiment ça, je suis trop contente de mettre le legging avec n'importe quoi, avec un t-shirt, un petit débardeur ou un pull comme ça. Je trouve ça trop beau avec des petites bottines blanches ou beige, vraiment dans le total nude, donc vraiment trop trop beau. Ensuite, pour une robe pull verte, elle est vraiment extrêmement épaisse. Elle est hyper agréable à porter, elle est vraiment trop trop belle, d'une belle qualité en plus. Et les manches sont assez larges, donc vraiment ça fait un effet un petit peu casual, c'est vraiment... le style de robe que moi je kiffe. Ensuite j'ai pris ça, mais je crois que c'était au-dessus d'une chemise. En tout cas je la mettrais pas comme ça parce qu'il y a des trous. Je me rappelle plus de comment c'était sur la photo, mais moi je le mettrais, je pense, en dessous, au-dessus d'une chemise, parce qu'en fait elle a des trous de partout. Donc c'est un effet vraiment tricoté, la matière elle est vraiment hyper agréable. Ensuite une robe, par contre celle-là elle est vraiment trop grande au niveau du décolleté, je suis vraiment dégoûtée. Mais en final je suis pas très fan des robes longues sur moi. Pourtant je fais 1m70 avec des bretelles en élastique. Alors j'aime beaucoup en fait le concept de ça, avec les bretelles en élastique, sauf que bah, on peut pas vraiment ajuster. Et moi c'est vraiment un problème sur cette robe là, c'est que je peux pas ajuster à part si je refais un pont, etc. Et encore je suis pas très fan. J'aimais bien le côté fendu, etc. de la robe sur le côté, mais je sais pas, ça fait trop rectangulaire sur moi, je trouve pas ça joli. Le décolleté, bon il est trop grand, du coup j'ai pas assez de boobs. J'ai pris aussi deux petits tops, ils sont vraiment trop choux, j'adore les petits tops comme ça. Je trouve que c'est ça va avec tout, ça va avec des jeans, des tailleurs ou je ne sais quoi. Donc j'ai pris un petit haut comme ceci, donc il est blanc en moutmout, vraiment d'une bonne qualité, et je l'ai pris aussi en vert tellement que c'était d'une bonne qualité aussi. Je suis trop contente de ces deux petits tops, ils sont vraiment trop choux. Enfin je trouve que voilà, ça fait vraiment une belle harmonie et tout. Enfin j'aime beaucoup trop en fait ces couleurs là, je trouve ça vraiment joli. Ensuite ça c'est des manteaux que l'on voit vraiment partout, c'est des manteaux voilà noirs comme ça, effet bombers, effet simili cuir. Enfin voilà, je trouve ça vraiment vraiment joli et c'est hors de prix en magasin. Enfin il y a des prix ça va jusqu'à 70€ parfois, enfin je comprends pas trop le délire, mais franchement j'ai craqué sur cela, ma soeur aussi, donc je lui ferai essayer. Si elle aime bien, je recommanderai celui-ci, mais vraiment il est top top top. Il existe aussi en un peu plus long, moi je l'ai pris en crop parce que je préfère les crop. Ensuite pour continuer avec les manteaux, je pense que vous allez kiffer celui-là, incroyable. Je pense qu'on peut le vendre à Mango pour aller 70-80€ tellement qu'il est d'une bonne qualité. Donc c'est celui-là avec la capuche en fausse fourrure, elle est vraiment hyper bien réalisée la fausse fourrure, et on peut l'enlever, donc ça c'est vraiment top aussi, parce que des fois sur des manteaux on peut pas les enlever, et là on peut les enlever, il y a des petits boutons, et c'est vraiment des boutons quali, je sais pas, des trucs à pression, c'est vraiment des trucs que tu mets bien, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment d'une bonne qualité, c'est hyper moelleux et tout. J'aime pas trop les doudounes de base, c'est pas trop mon délire les trucs comme ça, mais celle-là je la trouvais vraiment belle, en plus avec l'ensemble et tout, je sais pas. Trop beau. Franchement il est incroyable ce manteau, donc ça franchement je vous le conseille vivement si vous cherchez un manteau cet hiver un peu beige et tout et chaud, ça franchement top. Ensuite ça je voulais tester mais au final je suis vraiment pas fan, j'ai pris un petit haut comme ça avec des étoiles et en fait sur moi je trouve que ça va pas parce que j'ai vraiment une, je suis un X entre guillemets, donc je suis un peu maigre. Et je trouve que sur moi ça va pas du tout, ça fait beaucoup trop maigre, ça accentue la maigreur. Mais sinon d'une bonne qualité, après il est transparent bien évidemment, hein, c'est le but. Et en fait faut que vous mettiez soit des cache-tétons, soit vous mettez un soutif noir. Mais celui-là, ouais il était beau, mais enfin ça grattait pas en plus, je trouvais sympa. Mais pas sur moi, pas la forme n'est pas faite pour moi. Ensuite j'ai eu ça, c'est pour ranger les câbles quand vous partez en vacances. Vous savez quand vous partez en vacances, vous mettez tous les petits câbles et tout, vous mettez les chargeurs. Ça va être hyper utile, vous l'avez en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en noir, du coup il y a en bleu je crois, etc. Super bien, au moins tout est rangé au même endroit, tout est là. Tu perds pas tes affaires, tu perds pas tes cartes SD, enfin voilà tout ça. Ensuite j'ai pris une petite nuisette. Elle est très sympathique, j'aime beaucoup la couleur. Et en fait le derrière est croisé. La couleur est vraiment belle, enfin la caméra ça fait paraître bleu mais en fait c'est plus un vert sapin.
Vraiment trop jolie, j'ai rien à dire là-dessus, une petite nuisette vraiment simple, rapide, efficace. Ensuite cette robe là, elle est beaucoup trop grande, en même temps je l'ai pris en taille M. Quand je l'ai vue sur le site, je pensais que ça allait être un peu trop petit le S, mais en fait pas du tout, je pense que ça m'aurait allé. Là je l'ai pris en M, alors j'aime beaucoup parce qu'elle est croisée dans le dos, la matière est vraiment belle, j'aime bien l'effet froissé, comme ça ça accentue vraiment les hanches de la femme, il y a une petite ouverture sur le côté. Franchement la couleur elle est belle, la matière elle est belle, genre tout est beau, sauf la taille pour moi, donc ça je pourrais pas le mettre. Je pense que ça je vais le customiser, donc c'est un ensemble avec une jupe et du brun basique et un haut qui est vraiment très très beau. Donc c'est un haut comme ceci, et pour une fois, pour les petites poitrines comme moi, et ben en face ça va et ça ne baille pas. Parce que les gens, le truc comme ça, souvent ça baille ici au niveau des seins, et c'est vraiment pas joli à voir, et là bah ça allait. Donc j'étais trop contente. Par contre ça je pensais que c'était un peu plus... Enfin c'est pas rattaché, vous voyez. Moi je pense que je vais essayer de les coudre entre eux, enfin les deux morceaux les coudre entre eux. Et que ça fasse vraiment une manche. Ensuite, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit un peu partout, hein, à Etam, etc. Mais pour des prix ahurissants. Là, j'ai pris donc cet ensemble hyper doux. J'adore la qualité. Cette matière-là, et franchement, elle est hyper douce. J'adore. Donc, et vous avez le pantalon avec. Ensuite, pour un autre petit ensemble de nuit, j'ai pris ça. Alors, le short, il est un tout petit peu court. Mais c'est un truc pour la nuit, en fait. Donc... c'est plutôt pratique moi les shorts comme ça parce que quand j'ai mes règles et tout je mets toujours un short pour éviter que de tacher mes draps. Et là j'en ai plus des shorts, enfin ils sont tous soit tachés et ça ne part pas, soit enfin voilà c'est un peu galère. Donc j'ai repris un petit ensemble avec un short et un haut vraiment mims. Ensuite j'ai pris un ensemble, alors ça je l'ai pris en S, mais alors prenez-le en une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus. C'est extrêmement... petit pour du S, enfin je suis désolée, c'est minuscule, enfin je vous assure, enfin regardez mon corps quoi, c'est pas possible. Que ça c'est plus du XS pour moi, voire du XXS. Donc si vous le voulez, prenez une taille au-dessus. J'ai pris un ensemble avec un haut, alors le haut est extrêmement transparent, je pense que vous voyez sur la vidéo. Donc c'est un petit haut comme ça, j'aime beaucoup parce qu'aussi il est ajustable, il est vraiment beau je trouve. Donc ça je suis trop contente. Et par contre j'ai pris une jupe. Je pensais vraiment aimer les jupes longues, mais je sais pas en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment je ne sais pas. C'est une jupe, elle est vraiment belle au niveau du motif. Elle est bleue avec des petites fleurs, elle est bleue, elle est noire avec des petites fleurs bleues, etc. J'aime beaucoup, mais sauf que je sais pas si ça me va. Vraiment je n'ai aucune idée, donc dites-moi en commentaire parce que vraiment ça j'ai aucune idée. Et du coup j'ai pris aussi un pantalon, j'adore parce que ça me fait rappeler mes origines. J'adore. C'est vraiment un pantalon style Maroc et tout, enfin Tunisie, j'adore, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup en fait le bas du pantalon, il est marron comme ça, j'adore. Franchement il est top, juste petit bémol, il n'y a pas de poche. Voilà, s'il avait eu des poches franchement, alors là 10 sur 10, mais là il n'y a pas de poche. Et j'ai pris un ensemble tailleur, alors le pantalon j'adore, franchement je trouve ça incroyable. Il est beige, donc c'est un ensemble beige hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est hyper bien ajusté aux tailles fines. Si vous êtes comme moi, vous faites un 36 au niveau de la taille et un 38 au niveau des hanches. Genre vous êtes vraiment en bouteille quoi. Eh bien il est vraiment fait pour vous. Il montre bien les formes, il ajuste bien. Franchement il est top le pantalon, j'aime beaucoup. Donc bah écoutez j'ai fait le tour. Je crois vous avoir tout montré. Je vous mettrai donc les liens en barre d'informations. Et le code promo n'oubliez pas si ça vous intéresse et tout. Là il y a quand même pas mal de belles choses pour la Saint-Valentin. Et donc bah voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.